Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de votre chaîne préférée, la RTJVA, soyez les bienvenus à votre émission préférée, Sport et Santé. Nous sommes encore là et en ce jour pour parler de la santé et du sport. La santé parce qu'il faut toujours faire le sport pour être en santé. Et voilà, Dieu n'est pas contre le sport, comme vous le savez bien. Ce jour, nous avons sur ce plateau notre ami de tous les jours. C'est Natikou, salut. Oui, bonjour pasteur, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Ravi de les retrouver. Merci, j'espère que ça va. Hein? Oui, ça va bien. Ah, on pète la forme grâce à Dieu. Ah voilà, on rend grâce au Seigneur. Nous avons également sur ce plateau une grande personnalité, hein, parce que c'est mon enseignant, c'est mon professeur, il m'a enseigné. C'est lui qui m'a montré comment faire le journalisme et comment cadrer bien les images. J'ai nommé mon bien-aimé Magloire. Ouais. Bonjour pasteur, et c'est un plaisir d'être dans votre émission, un plaisir de vous voir à l'antenne. Je vous suis de très loin. Et aujourd'hui, je suis dans vos locaux. Et c'est toute une grâce. Et on remercie le Tout-Puissant parce que sans la santé, nous ne pourrions pas être ici ce matin. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis un dépôt à nous. Ok, merci. Et il est l'un des intervenants à l'Université de Lomé, surtout à Isika. Et notre bien-aimé Sénat, je vous l'avais dit la fois passée, il revient fraîchement de l'Allemagne. Hein. Donc, après, c'est Guten Morgen qu'on va parler. Ok, nous sommes là sur le plan de l'élément sanitaire. Nous continuons par conseiller à tous de faire du sport, même si c'est quelques 15 minutes de marche, c'est déjà bien. C'est le produit qu'on ne débourse pas de l'argent pour acheter. Ouais, ouais. Et j'espère que mon enseignant fait un peu du sport. Oui, vous savez, je crois que c'est Sénat, on est également collègue de boulot. Il se moque de moi depuis juin parce que je n'amène plus ma moto. Mon engin de transport au boulot, voilà. Et que je marche du boulot à la maison et le soir également. Déjà très bon. Et je suis un peu la risée de mes collaborateurs qui se moquent, mais comment, pourquoi tu fais ça? Mais je leur dis, mais ça me fait du bien. Malheureusement, pour certains, on est dans un travail où c'est un peu sédentaire. Oui. On s'assoit derrière un bureau pendant beaucoup de temps. Mm-hmm. On ne bouge pas assez. Même parfois, lorsqu'on a la chance d'avoir des escaliers, des ascenseurs, on préfère prendre l'ascenseur. Et l'âge approche. C'est vrai qu'on n'a pas encore des cheveux blancs, mais le sport le moins cher, c'est la marche. Tout le monde peut marcher. On n'a pas besoin de marcher comme des marathoniens ou comme ceux qui font la marche aux Jeux Olympiques. On va à son rythme. L'essentiel, c'est de faire un certain nombre de pas et de transpirer. D'aller à son pas, on n'a pas besoin d'avoir de super chaussures. L'essentiel, c'est de marcher sur un terrain où il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces, à l'abri surtout des automobiles. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. On n'a pas besoin de salle pour ça. Une astuce peut-être, oui. Si vous avez de l'espace à la maison, mm-hmm. et que vous avez des enfants, mm-hmm. c'est peut-être le meilleur moyen d'être sortif. C'est comme hier, vous étiez avec moi. Courir juste avec vos enfants, et ça fait du bien. C'était pas trop, l'espace n'était pas trop grand, mais ouais. Sur la terrasse, ouais. On était là-bas, on a essayé de s'échauffer un peu. Voilà, les deux sont à New York TV, ils travaillent là-bas. Et les deux aiment surtout Jésus. Voilà, ah c'est ça surtout. Des ambassadeurs. Des ambassadeurs de Christ. On rend grâce au Seigneur. Ouais, ouais. Voilà, juste, on passe pour notre premier élément. Nous avons placé deux clubs sur la scène continentale. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ACK qui a fait un nul piège ici à Lomé. Mais gloire au Seigneur, ACK passe au deuxième tour.
Et d'ailleurs, je disais que sur les dernières saisons, on a remarqué que même l'équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale ou les clubs togolais, qu'il y a plus de difficultés à la maison qu'à l'extérieur, curieusement. Peut-être parce qu'à la maison, on ne profite pas assez de notre public. C'est ça. Le public n'est pas vraiment présent. Il n'y a que quelques personnes. C'est ça. Et donc, jouer à la maison ou à l'extérieur, ça devient pratiquement la même chose pour nos clubs. Et il semble même qu'à la maison, il y a plus de pression. Il y a plus de pression. Et... on n'arrive pas à rendre cette pression positive. Voilà, donc... bravo à l'ASCK. Moi, j'avais peur quand même pour l'ASCK. Oui, nous sommes, nous étions très, très sceptiques. Un peu moins pour ASCO, qui a réussi à battre son adversaire. Se qualifier, c'est déjà très bien parce que ça permettra pour la prochaine saison de ne pas passer par ces phases préliminaires. Voilà, on reviendra pour ASCO et ASCK. Quelle était la clé de ce match pour que Jonas et ses poulains puissent ramener 2-0 du Niger, 2-0 à l'extérieur? Pour moi, il y a d'abord un ressort psychologique, un peu pour revenir sur ce que Sena disait. Vous savez, on a, avec les éperviers, on a appris énormément de choses. Donc, j'ai l'impression que le sport togolais ou le football togolais a besoin beaucoup plus de pasteurs que d'entraîneurs parce que on est arrivé à semer un doute dans l'esprit. Et les joueurs même, tout le monde croit qu'on ne peut plus gagner à domicile. On avait même posé cette question à Paolo Duarte, le coach partant. Est-ce que le mystique ou le spirituel joue sur l'équipe? C'est le travail d'abord, mais ce qu'on sème dans la tête de la personne, c'est voilà. Oui, parce que même qu'il y ait quelque chose qui soit fait ou pas, aujourd'hui, beaucoup de Togolais se disent qu'on ne peut plus gagner. C'est ça. Là, ce doute-là, il va falloir à un moment qu'on commence par le briser. Voilà. Et l'autre côté, c'est que ASCK et ASCO commencent par s'habituer. Parce que les joutes continentales, c'est une habitude. Et arriver à gérer la fatigue, comment retrouver les sensations. Et c'est à force de jouer les compétitions qu'on arrive à avoir cette expérience-là. Et aujourd'hui, je crois que ASCK est beaucoup plus armé et fort de toutes ces expériences-là. Ils sont allés jouer au Niger, où notre équipe, on va dire, locale s'est fait battre en temps. Oui. Donc, ils sont allés jouer là-bas un peu plus libérés et ils ont fait le score qu'il fallait. Pour moi, il faut tabler sur ça. Ils ont maintenant le bagage qu'il faut au moins pour franchir cette étape-là. La période de Togo pour AC Barracuda, c'était, on va dire, quelque chose qui se passe parfois une fois toutes les générations. Mais les clubs qui jouent chaque année, les poules, c'est des clubs, vous allez voir qu'ils les jouent depuis des dizaines d'années. Il y a une certaine expérience. Voilà. Même lorsque les joueurs passent, les clubs sont habitués à ces joutes-là. Et je crois que ASCK s'inscrit dans cette ligne-là. Et cette victoire-là, pour moi, ce n'est pas juste un cheveu sous la soupe. C'est à la suite de notre travail. Il venait de parler tout de suite de la fatigue. Et à Mania, on le disait. La récupération. La récupération, parce qu'ils n'ont pas eu tellement de temps de repos. Après le championnat, ils n'ont eu que 10 à 13 jours pour se reposer avant de reprendre. Pas forcément la fatigue, mais en termes de préparation, les joueurs, c'est en début de saison. Et ça se passe comme ça pour tout le monde, que ce soit en Europe. Le mois d'août, septembre, c'est beaucoup plus difficile. En février, les taureaux sont lâchés. Voilà. Donc, on est plus préparé pour ce genre de compétition. L'autre aspect, l'autre clé, vous parliez de clé tout à l'heure. Et je l'ai briefé ou je l'ai dit subtilement la dernière fois, c'est que c'est la manière d'aborder les matchs. Là, l'ASCK savait que ça passait par une victoire. Voilà. Il n'y a pas de calcul à faire. C'est ce que le coach aussi a dit. Voilà. Donc, à l'aller, ils étaient beaucoup plus dans le calcul. Il ne faut pas perdre. On est à domicile. On va se faire huiler. Voilà. Tous ces doutes-là
ont été dissipés. Voilà. Et là, ils ont... Parce que moi, j'ai, pour ma petite expérience, j'ai beaucoup de matchs à mon actif, commentés. Mmh. Et ce que j'ai remarqué, toutes les équipes qui gagnent pratiquement sont les équipes qui, dans leur attitude, sont mieux que l'adversaire. Mmh. Et dans l'attitude... On attaque, on est plus fort, ça se passe dans la tête. Mental beaucoup fort. Plus que sur l'aspect tactique. C'est ça. Et c'est là où les équipes, où les clubs togolais doivent vraiment travailler, redoubler d'efforts dans la manière d'aborder les matchs. On ne va pas comme si, voilà, c'est Joliba, voilà, c'est la SEC, donc c'est gagné d'avance. C'est non. Ça, vous me tendez déjà la perche. ASK, ASEC. Je crois que le gap serait vraiment franchi à ce niveau-là, parce que c'est quand même un adversaire connu de la scène africaine. C'est là où on verra vraiment si la SEC a franchi un cap ou pas, ou s'il y a encore du travail à faire. Et moi, se faire éliminer une défaite face à la SEC ne sera pas quand même... La SEC ne sera pas la risée, hein, parce que c'est quand même un grand club devant, avec toutes les infrastructures, avec tous les moyens que ASK n'a pas aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc, même dans la préparation de ce match... La SEC peut se permettre d'avoir des matchs amicaux, voyager, aller jouer. Mmh. Ce n'est pas le cas encore pour la SEC. Donc, jouer beaucoup plus sur leur prérequis déjà, ne pas se sous-estimer. Pour moi, ils n'ont rien à perdre. Mais en match et en conférence d'après-match, j'ai posé la question à Jonas. Est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé Asfan? Il m'a dit non. Non. Qu'ils ne l'ont pas fait. Que Asfan paraît même plus difficile que le match du second tour. Et je ne sais pas si vraiment il a fait une bonne lecture, parce que moi, je vois assez plus. Je peux comprendre. C'est, tout est dans la manière d'aborder les matchs. Face à Asfan, vous l'aviez dit la dernière fois, Jonas ne connaissait pas cette équipe. Il y avait peu d'informations sur l'adversaire. Donc, dans la manière de préparer le match, c'est difficile. C'est donc, justement, à l'aller, ça a été plus difficile. Au retour, là, on a eu l'occasion de connaître. Mais avec la SEC, vous pouvez avoir des informations. On a le temps d'envoyer un émissaire, un analyste vidéo. Pour voir sur les matchs de la SEC, des matchs qui sont disponibles d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, donc peut-être dans la... C'est un niveau supérieur à SEC, ça, on peut pas dire autre chose. Mais dans la manière d'aborder les matchs, c'est beaucoup plus simple pour un entraîneur comme Jonas aujourd'hui de préparer le match d'ASEC que le match de Asfan. ASCO aussi a passé son adversaire, c'est le CD Mongomo. Match aller, 2-0. Et le match retour, 1-0 à la 7e minute. Le but de Adam Moussa. Et rien n'est plus marqué jusqu'à la fin. Est-ce qu'on nous a habitués à ne pas marquer beaucoup de buts déjà sur plusieurs saisons? Ça dure depuis pratiquement le temps de Jean-Paul Avalo. Donc ça n'a pas trop changé. Pour moi, c'est un service minimum pour le champion du Togo. C'est quand même le champion de la nation, c'est d'une ça. Nation, on le disait en off, mondialiste. Ça, c'est l'histoire. On ne peut pas... L'histoire est têtue. Oui, l'histoire est têtue. Toute considération gardée, c'est le service minimum que ASCO pouvait nous offrir. C'est ça. Et donc, la victoire est là. Maintenant, il faut analyser encore cette victoire. Voir les aspects à améliorer. Le coach ivoirien Amani Yao de ASCO, on lui a posé la question, est-ce que le match n'a pas été un peu terne côté ASCO? Il dit non, que c'est ce qu'ils ont voulu marquer tôt et conserver, ne pas encaisser. Bon, je ne sais pas, est-ce que le tour suivant, c'est contre Joliba? Ça peut passer. Oui, ça peut passer. Vous savez, ASCO
a subi des défaites les saisons précédentes. Ouais. Donc, ils ont appris de ces défaites-là. Vous savez, aujourd'hui, moi, je m'en désole des fois. Le football est devenu beaucoup plus une histoire de calcul, une histoire de tactique. L'essentiel, c'est qu'on arrive à gagner. Donc, si on arrive à... On a l'occasion de mettre en place un système où on dit, ben, on marque très tôt et après, on bétonne. Le match ne sera pas intéressant à regarder, mais lorsqu'on a le résultat au bout... Aujourd'hui, on ne va pas dire, oui, bon, d'accord, ils sont qualifiés, mais ils n'ont pas bien joué. OK, au moins, ils se sont qualifiés déjà. Non, mais je crois que... C'est ça que... Mais quand même, il y avait quand même du beau jeu. Il y avait du beau jeu côté ASCO. Il faut dire que c'est des occasions qui n'ont pas été concrétisées. Sinon, ils étaient... Oui, c'est un c'est peu... vers la fin. Mais pas une équipe peu... très offensive non plus. Oui, oui. Parce qu'on connaît Asco, c'est pas un fou de guerre sur le plan offensif. Mais je crois que face à Djoliba, ce ne sera plus les mêmes calculs. Voilà. Ce n'est plus le même adversaire en face. Djoliba qui revient fort, c'est beaucoup plus huppé. Et peut-être les calculs seront... beaucoup plus différent aussi. Peut-être que Djoliba leur permettra d'avoir un jeu beaucoup plus ouvert et là, parce que à ce niveau-là, ils savent que s'ils veulent passer au tour suivant, ça passe forcément par une victoire. Peu importe la manière. Parce que faut pas se mentir. Hein, à la fin, c'est la qualif qui compte. On parlera moins du beau jeu si l'équipe était éliminée. On va pas dire voilà, ils ont produit du jeu. Et puis moi j'aurais fait la même chose. Je suis pas sélectionneur, je suis pas entraîneur, mais j'aurais fait la même chose que le coach d'Asco, parce que la configuration était différente de celle de l'ASK. Là, Asco pouvait se permettre un nul 0-0 pour se qualifier. Donc, Asco devrait être dans le calcul, c'est normal. Et là, il a dit que si l'équipe adverse égalisait, une nouvelle pression sur Asco. Voilà. Parce que un partout. C'est un grand doute. Un deuxième but de l'adversaire. Et puis c'est fini. Voilà. Donc, on joue réservé, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Maintenant, sur les deux clubs, dans la manière d'aborder les prochains matchs, le challenge est plus élevé. Voilà. Magloire l'avait dit tout à l'heure, on ne crierait pas au scandale si. L'ASK par exemple perd face à l'ASEC. Donc il faut profiter peut-être de ça, avoir la meilleure attitude possible, attaquer cette équipe de l'ASEC, quitte à se faire surprendre, on n'a rien à perdre quoi. Oui, est-ce que l'expérience des équipes du Nord, de l'Afrique du Nord jouée par ASCO pourrait être aussi une expérience de plus pour pouvoir passer le cap du Djoliba? Oui, sur la manière d'aborder les matchs. Parce que, surtout au niveau extérieur, quand vous jouez face aux équipes du Maghreb, par exemple, c'est plus de pression du public et tout. Donc, c'est-à-dire, les deux clubs auraient appris de ça, la manière de gérer la pression. Maintenant, par rapport au contexte technico-tactique, je ne pense pas que ce soit la même chose. C'est plus une équipe ouest-africaine. Ça n'a rien à voir avec les clubs maghrébins. Voilà. Donc, tout est question d'attitude des joueurs et du côté réaction tactique de nos entraîneurs. Le président Meng Asingbe, qui est à la tête d'Asco, l'a dit que cette fois-ci, c'est les poules ou rien, parce que Asco serait impardonnable s'il ne passe pas en poule. On espère. Oui, en tout cas, on espère qu'ils vont retrouver les poules, parce que c'est quand même une victoire. Oui, c'est Djoliba. Oui, c'est Djoliba. C'est Djoliba, mais c'est Asco aussi. C'est Asco aussi. Le nom ne fait peur. Mais pas quand même Djoliba des années, des 5 ans passés. Ouais, mais qui reste quand même champion. Il reste champion. Il n'y a pas de problème. Asco aussi est champion. 5 fois d'affilée. 5 fois d'affilée. Ouais. Voilà, que l'Éternel soutienne ces clubs togolais afin qu'ils puissent faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, nous passons à Nibombé, qui est maintenant confirmé dans ses rôles de coach des Hyperviers.
Enfin, qu'est-ce que vous attendez déjà? Déjà la puce à l'oreille des téléspectateurs, ouais. Ne vous fiez pas au maillot ghanéen. Il est plus togolais que nous. Il est plus togolais que ghanéen. Donc, fermez les yeux sur ce côté et regardez un togolais épervier, ouais, sur le plateau. Mmh. Oui, je dis, Nibombé va livrer ou bien sa liste. Sa liste. Qu'est-ce que vous attendez de cette liste? Quel profil attendez-vous de cette liste? Non, je ne crois pas qu'avec le temps qui lui est imparti, cette liste soit vraiment différente de la dernière liste de Paolo Duarte. Voilà. Sauf des joueurs en méforme qui n'ont pas encore joué ou des joueurs qui sont blessés. Donc je ne pense pas qu'il y aura, on va dire, un renversement de table et il va tout s'embouler pour ces deux matchs. Pour ces deux matchs à venir, je crois que ce ne sera pas forcément le 11 de départ de Paolo Duarte, mais je crois que l'ossature, à 90%, je crois qu'on aura, on aura les mêmes joueurs. Lui-même ne pourra pas se permettre aujourd'hui de déstructurer toute l'équipe que Paolo Duarte a mis en place. C'est se tuer. C'est se mettre une balle dans le pied, parce que déjà qu'on a mal commencé les éliminatoires de la Coupe du Monde, je crois qu'il veut quand même conserver l'essentiel pour les deux matchs à venir. Et pour la fin de ce feuilleton, on espère que c'est la fin de ce feuilleton. Oui, c'est vraiment la fin. On a quand même senti qu'il y a toute une adhésion. C'est vrai qu'il n'y a pas de sondage, mais il y a toute une adhésion pour que Daré soit choisi à la tête de... Et moi, déjà... je crois que à part Claude Leroy, qui avait fait vraiment une unanimité à l'époque pour son choix, il y a quand même une unanimité du public sportif pour le choix de Daré. Yes. Je crois que cette aura déjà l'accompagne, parce que on vous dira, oui, avec Duarte, l'équipe jouait bien, mais on ne marquait pas. Bon, le sélectionneur, ce n'est pas lui qui viendra apprendre aux attaquants comment marquer, mais je crois que le côté, là où il doit beaucoup plus agir, ça sera sur le côté psychologique. C'est ça. Arriver à insuffler au fait ce mental de gagne, voilà, à ces éperviers-là. Parce que, citez-moi un joueur togolais qui est dans un club qui est très, très performant et qu'on n'appelle pas. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. À part les jeunes qui sont là, qu'on n'a pas encore appelé, je crois, les fils d'Assignon ou les fils des anciens éperviers, Daré, son fils. Voilà. C'est pas faute de n'avoir pas essayé. Oui, donc à part ces jeunes qui jouent dans les clubs réserves de formation où ils sont, je ne pense pas qu'il y ait une autre pépite, comme on aime dire au Togo, qu'on n'a pas encore appelé. Donc il va, je crois, faire avec l'ossature qu'on a maintenant, mais je crois qu'il y a franchement des replacements tactiques à opérer dans cette équipe. Et pour moi, par exemple, juste jeter une pierre dans la mare, pour moi, Karim Derman, pour moi, est trop loin de la surface de réparation, par exemple. Avec ce qu'il a, lorsqu'il tourne autour de la surface de réparation, on peut avoir des coups francs, des pénaltys, pourquoi pas, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu. Pour moi, il est un peu trop loin, il part de trop loin, ce qui fait que même si on fait une faute sur lui... Il est éloigné de... Voilà, mais ça, c'est juste mon avis de téléspectateur devant la télé. Je ne suis pas sélectionneur, entraîneur. Mais franchement, je crois qu'un peu plus devant, il pourra plus aider nos attaquants. Dans cet exercice-là. Oui, Daré disait que il saluait déjà Paolo Duarte, que c'est la continuité. Et comme Magla le dit, pensez que il va être dans cette continuité-là. Oui, je... Avec les Kevin Denke, les Laba Fodo. Oui, je ne vais pas prendre le contre-pied de l'analyse de Magla. Déjà, c'est impossible pour un sélectionneur, en quelques semaines, faire la liste et changer. Complètement. Ouais, ça ne se fait pas. Voilà. Ce serait une grave erreur de sa part. Et donc, moi, replacement tactique, d'accord.
Paolo Duarte nous a habitués au 3-5-2 ces derniers mois. Oui, avec les pistons. Avec les pistons. Mm-hmm. Là, peut-être Daré, basiquement, va passer à une défense à 4. Mm-hmm. Maintenant, 4-3-3, 4-4-2. Oui. 4-4-2 qui a fait normalement nos beaux jours. Oui, mais Paolo disait que c'est parce que lui n'avait pas de joueur qui puisse faire les ailes. Peut-être que ce sera la trouvaille pour Darini Bombé qui dit qu'il a suivi les derniers matchs et qu'il a une idée de la chose. Et donc peut-être un replacement, une nouvelle configuration tactique pour cette équipe, mais on ne va pas passer du 3-5-2 à une tactique qui serait encore plus compliquée. Difficile. S'il faut changer, c'est certainement une défense à 4. Moi, je vois les choses de cette façon. Et j'ai été surpris de voir les gens aussi peu laudateurs du travail effectué par Paolo Duarte, déjà. Alors que pour moi, il a fait un travail exceptionnel. Ah oui. Et Daré ne fera que suivre ses pas. Maintenant, ce qu'il peut apporter, c'est cette envie de gagner. C'est un ancien international. Il est passé par là. Il a vécu des choses avec cette sélection. Rien que sa personnalité peut jouer sur ses joueurs. Aucun n'a joué avec lui. C'est leur grand frère. Donc, À quelques exceptions près, à l'époque, Romao, effectivement, mais c'est des joueurs extrêmement professionnels qui savent écouter leur sélectionneur. C'est ça. Voilà. Déjà, le 6, le Togo reçoit le Libéria. Oui, on ne va pas rentrer dans les pronostics, mais le secret de ce match. Le baptême de feu pour Daré. Surtout que je crois que la dernière victoire à domicile commence déjà par dater un tout petit peu. On ne va pas quand même le juger uniquement sur cette rencontre, mais on va se dire une victoire du Togo à domicile va idéalement lancer l'épopée de Daré à la tête de cette sélection. Je crois que c'est le moindre mal qu'on peut le souhaiter. Au pire des cas, un match nul, mais une défaite, je crois que ça même le match ça, nul ça ne lancerait pas, mais idéalement ce serait une victoire. Ça on va pas se cacher, on va pas se lancer dans des prophéties, même si nous sommes sur une télévision chrétienne. On va pas se lancer dans des prophéties footballistiques, mais Daré avec une victoire le 6, je crois que tout le peuple togolais, tout le monde sera derrière. Une adhésion totale d'un peuple juste après ce 6. Magloire me connaît, moi j'aime bien prendre des risques. Moi j'annonce déjà une victoire togolaise. Voilà. Sûr et certain. Voilà. Maintenant, ce ne sera pas une victoire facile. Voilà. Mais ce sera un score assez lourd, 3-0. J'aime bien prendre les risques, je le répète. Non, ce qui est sûr, c'est enregistré. C'est vraiment enregistré. On sortira. On sortira la séquence. Je ne ferai que retenir la victoire. C'est 3-0, c'est bon. Mais moi, je ne ferai que retenir la victoire. Vous savez, ça sera un signal parfait. Voilà. Très fort. Je crois que Lomé sera en transe. L'équipe soit... Tout le Togo soit soudé derrière cette équipe. Déjà que je suis rarement au stade. Mais là, je serai au stade. Waouh. Donc, Sénat invite déjà tout le peuple togolais à être au stade ce jour-là pour pousser les éperviers à la victoire. Je crois qu'on en a besoin. Comme il le disait, la dernière victoire du Togo relève. Bon, c'est une victoire pour du beurre. Cap Vert, justement, il y a plus de victoire. Le Cap Vert a quelques moins de 30 minutes qui nous a marqué déjà 2 buts. Et ce mental fort est venu jusqu'à ce qu'on égalise et que Ouattara Moutalabou vienne planter ce but victorieux. C'était toute une joie. Bien sûr que c'était pour du beurre, mais quand même, ça a fait du bien. Et toutes les dernières victoires, c'est sur des matchs qui ne comptaient pas. Qui ne comptaient pas. Voilà.
Voilà, c'est ça surtout. Donc une vraie victoire. C'est le début de la campagne africaine Maroc 2025 qu'il faudrait quand même qu'on commence par une victoire. Et Sénat, non, la victoire sera au bout, okay. C'est sûr, pour lancer l'idée. Tellement le... Oui, en tout cas. Je crois que c'est le prophète que vous avez dit. Voilà, donc nous sommes sur... le prophète est... Le prophète a parlé. Le prophète a parlé. Et... Donc, Sauf que après le 3-0, oui. je vais analyser le match et je dirais que le Togo n'a pas fait un grand match. Voilà. Le 3-0. Oh, c'est acté. Les paris sont pris. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous vous disons que le match, c'est le 6. Et vous êtes tous invités pour pouvoir soutenir valablement votre équipe, notre équipe, les Éperviers. J'espère que ça passera comme on l'a dit. Et nous allons rapidement finir avec les championnats européens. Nous n'allons pas parcourir tous les championnats. Nous allons parler du capitaine des Bleus qui a changé de club, qui est arrivé au Real de Madrid. Oui, un premier match avec un but, mais après... Oui. Ce n'est plus ça. Et les supporters ont commencé par se décourager de l'arrivée de Mbappé. Bon, peut-être pas jusque-là, se décourager. Mmh. Moi, je trouve que les gens sont trop pressés. Uh-huh. Ce n'est que le début de saison. Voilà. C'est un joueur qui n'a pas fait une grande compétition lors de l'Euro, qui restait sur... une fin de saison en demi-teinte avec le Paris Saint-Germain et donc n'est pas forcément préparé physiquement, peut-être mentalement, parce qu'il aime le club, il aime le Real. Oui. Mais sauf que ça fait, c'est pas qu'un match, ça fait déjà 3 matchs où on attend un grand Mbappé. Un grand Mbappé. Voilà, parce que sur le match de Supercoupe d'Europe, voilà. Moi, je n'ai pas vu une grande prestation. Ouais, il a marqué un but. Donc, on s'est dit que voilà, c'est parti. Après, c'est difficile. Mais en même temps, il faut comprendre la situation. C'est un nouveau club pour lui. Les deux coins diront que le petit Hendrik, il n'a fallu que quelques minutes pour qu'il marque. C'est ça, surtout. Un match ne se résume pas à un but. Voilà. Donc, Mbappé, il faudra être patient. Ça va durer encore quelques matchs et puis après ça va prendre. Ça prendra. Le Real aura la profondeur de banc nécessaire aussi avec Hendrik, Güler et autres pour s'en sortir. Mais sur le camp Mbappé, je trouve qu'on y va trop vite. Contre Valladolid, 3-0, mais la présence de Mbappé, c'était que 1-0. Mais le but n'est pas marqué par lui. Mmh. Il a raté des occasions. Et ce n'était pas un Real convaincant. N'était pas convaincant. Après sa sortie, on injecte un 109 et c'est lui qui vient faire le break. Est-ce que vous pensez que il faut lui donner du temps, Mbappé? On est obligé puisque le contrat est signé. Mais moi je suis un peu plus dubitatif parce que le Mbappé excellent qu'on a connu, c'est un Mbappé qui n'est pas en pointe. C'est tout un rôle qui va devoir porter. Voilà. Est-ce que finalement il va rester en pointe? Parce que pour être en pointe, il faut avoir un bon numéro 10 à l'ancienne ou avoir des gens qui vraiment vous apportent des caviars. Mbappé n'a pas pour moi la stature d'un Benzema, je ne veux pas aller plus loin, d'un Benzema qui, à un certain niveau, a pris le temps qu'il faut au Real et a su changer son jeu. Mbappé, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, par exemple, était déjà tout feu, tout flamme. Hein. C'est un peu pour revenir sur ce que Sénat disait. Mbappé vient au Real avec beaucoup de doutes. Et surtout, pour moi, sa blessure au nez, où on disait il faut peut-être recasser le nez pour penser à cette cicatrisation. Les médecins du Real se sont dit, bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'il faut. Je crois qu'il y a tout cela qui trotte dans sa tête. Et au PSG, l'équipe était bâtie pour Mbappé. Aujourd'hui, c'est plus forcément lui qui est au centre de ce projet-là, du moins de ce qu'on voit. Ce qu'on dit est différent de ce qu'on voit sur le terrain. Donc, il va lui falloir beaucoup d'adaptation. Voilà.
Et surtout, il va falloir qu'il travaille. On nous le vend, un joueur très intelligent tactiquement. C'est là qu'on doit véritablement voir son intelligence tactique. C'est parce ça. Que mettre Hendrick dans la position de Mbappé, Hendrick, c'est un buteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de toucher 1000 ballons pour marquer, alors que Mbappé a besoin d'avoir de l'espace. C'est Adriano en miniature. Voilà. Donc Mbappé a besoin d'avoir de l'espace, d'avoir un certain nombre de sensations. Même ses touchés, ses amortis, tu sens qu'on n'a pas encore retrouvé. J'attends déjà de retrouver Mbappé à son meilleur niveau et de voir est-ce que cette nouvelle tâche de numéro 9... Est-ce que Mbappé n'a pas raté le temps qu'il devrait être au Real la saison passée. Ce qui a fait que, c'est comme on l'attendait, il n'est pas arrivé au bon moment, voilà, c'est maintenant qu'il arrive, c'est pourquoi ça ne pardonne pas. Là où ça peut jouer des tours, des mauvais tours au joueur lui-même, c'est par rapport aux supporters qui l'aiment bien, mais qui lors des, ça dit, pendant ces moments troubles, se diront, voilà, parce que tu avais refusé, voilà c'est des choses qui vont revenir, ça c'est sûr. Maintenant, c'est à Ancelotti aussi, son entraîneur, de faire un replacement tactique. Moi je vois la chose dans cette configuration tactique du 4-3-3, où Mbappé est en pointe basse de Vinicius et Rodrigo. Voilà. Et Hendrick peut prendre la place de Rodrigo par moment, de Vinicius, ou même de Mbappé par moment. Voilà. Parce que Mbappé peut plonger, mais aussi être, parce qu'il joue en numéro 10 en équipe de France. Oui. Et il aime rôder aussi. Et là, il peut parfois aller à gauche, à droite, voilà, aura cette liberté-là. Et puis Vinicius garde bien son centre gauche. Rodrigo a déjà joué à droite, mais il sera plus centré. Donc ça peut-être régler le problème. Il y pense, connaissant le technicien italien. Ils vont trouver la solution. J'espère que nous allons y revenir. Nous allons parler prochainement de ces clubs qui sont presque attendus encore cette année, puisque le Real conserve la coupe aux grandes oreilles. Et on verra la suite. Ah oui. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation, Magloire. Pasteur Pierre, c'est moi qui vous remercie de cet honneur de m'inviter dans votre émission. J'espère que ce ne sera pas la première et la dernière invitation. Les portes de la RTJVA sont grandement ouvertes pour vous. Merci. Sénat, merci d'être là. Ouais. Juste, Jésus cogne toujours à la porte. Alléluia. Si quelqu'un entend la voix, qu'il ouvre. Merci. Amen. Pour cette parole. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions pour votre patience et votre écoute. Nous serons là dans d'autres émissions. Soyez toujours câblés. Merci et à la prochaine.